liberté! Les pandores ne sont pas venus.
cette mocarde provinciale. Courage, tiens bon. Chante le peuple.
ses yeux clairs. Belle, belle à la chevelure rouge.
Pourquoi
Michael, imbécile, mauvais perdant. Des cris, des coups de feu. C'est Michael, le policier. Sa princesse secrète, sa reine, son roi, se revoir et subir le mal est fait. Gueule du loup, prendre des coups. Otage, auquel m'a
à 100 à l'heure. Camille Spider, il t'aime, et au solitaire, tu la bête, réveille ton âme endormie. Pierrot, Gold, Mesrin, Auermes, Knobels, Nies. Tous les diables! Au parloir, personne! Familiar.
souvenir de ma vie. Iskra, je t'ai fait du mal autrefois. Patrick.
partir à trouver Camille. Le docteur est celui l'amant. Son mouvement magnétique sur les femmes. Ah! Au bord de la rivière, sur cette plage, sous les étoiles, ils ont dormi. Volupté, bacchanale, je sens la odeur animale. Mène la maille, diable, brûlez-en enfer. Et toi, docteur illégal, meurs. Toi, agneau scandale, Oh,
réveille-toi. Réveille-toi. Mène-la. Judas. En sorcelle. Camille, la police, le procureur, ils arrivent. Judas, bouge, il faut fuir. Elle a protégé sa fuite. J'ai perdu la tête, le préfet. Je regrette. Pars à l'hôpital, cachons les émetteurs. La police ne cherche là-bas. Vous pourrez. Radio Maron. Radio Maron. Radio Maron. Thank you.
Bye.
pétard. Les ordres qui s'étonnent. Aïe, 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 l'horizon bouché, la loi méchante, les gros blancs qui commandent. Maman, bataille, maman, ça mal. Aïe, 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 explose. Tu, égorge, extravagance. Spectacle. Tente, danse, casse la baraque. Ah, ou abaisse, j'aime l'odeur de cendre. L'odeur du sang. Je suis des leurs. Je suis fier. Un frère. Maï. Je peux m'échapper. Ils veulent te chasser. Comme une bête. J'ai vu. J'ai couru vite, j'ai brisé mes pieds sur les roches. Visage griffé, la robe déchirée.
de nuit. Viens avec moi à la radio, lui dire de se rendre. Ni pour elle, ni pour parole, que la
chose de Ménéla. Elle l'a suivi, puis dans des corps. Maé, elle est arrangée. C'est Michael, le policier. Son mari, qui l'a retrouvée. C'est Maé, l'amoureuse de Ménéla. Elle l'aime. Elle va parler au micro. Elle est arrangée. À la radio, elle va convaincre Ménéla. Son amant, il s'est retrouvé en gendarme. Parle, Maï. Landrine est à l'écoute. Panzakavavi,
Serre-moi fort. Je t'ai retrouvé. J'ai peur. Cette vie n'est pas pour nous. Est-ce que l'autre existe meilleur?
la plage scintillent les vagues. Car on chante le départ. Thank you.
Thank you.
cet opéra Freedom, c'est la troisième œuvre d'un triptyque, puisque avec Jean-Luc Trulès, nous avions décidé de faire au moins trois opéras pour créer un genre. Le genre de l'opéra d'outre-mer, de l'opéra de l'océan Indien, on peut l'appeler comme on veut. Cette troisième œuvre, c'est un peu la plus importante pour Jean-Luc et moi, parce que c'est un peu l'aboutissement d'une démarche. C'est censé aborder les problèmes contemporains de la Réunion. Le tournant de cette affaire, ça a été les émeutes de 1991 à La Réunion. Tournant évidemment pas seulement audiovisuel, c'est-à-dire puisque c'était une télévision qui était interdite, mais aussi, comme ça a été suivi de mesures politiques et d'une sorte de reprise en main de l'île de La Réunion par l'État à la suite des événements, on peut dire, je pense, que 1991, c'est l'entrée massive de la société de consommation à l'île de La Réunion. Pour faire un opéra, il faut des solistes, il faut un chœur, des choristes, il nous faut un décorateur, un scénographe, il nous faut une costumière, enfin bref, et puis maintenant des vidéastes, puisque nous utilisons beaucoup la vidéo. Au niveau des rôles principaux, donc, nous avons notre animatrice qui s'appelle Maë, et nous avons un policier qui va représenter l'ordre établi. Nous avons donc le docteur Camille, qui est le docteur Camille Sudre, et nous avons le fameux Ménéla, donc notre ersatz d'Agamemnon, qui est ce cafre criminel donc, qui rentre dans l'île et qui va, comme les deux autres personnages, tomber amoureux de notre animatrice Maë. Et au niveau des choristes, nous avons beaucoup recruté à Madagascar, puisque ça fait des années, dans les spectacles précédents, que nous travaillons avec des choristes nombreux de Madagascar. Alors nous, ce sont des gens qui travaillent depuis une douzaine d'années avec nous, donc ce sont des gens que nous connaissons. Au niveau de l'orchestration des musiciens, ce sont des musiciens chinois, donc c'est l'orchestre philharmonique de Hangzhou qui s'est prêté à l'orchestration. Nous avons donc enregistré en Chine toute la partie orchestrale qui nous sert de colonne vertébrale à la réalisation de cette captation. En fait, pour Freedom, le titre déjà m'a inspiré qu'il fallait un peu laisser tomber tout ce que j'avais, tout ce que je savais. Donc que je me débarrasse un peu des conventions et puis que j'aille en toute liberté finalement chercher autre chose. Au début, je me suis lancé dans des tas de recherches sur la musique atonale, la musique de décaphonique. J'ai lu des choses. Le bouquin d'Olivier Messiaen, par exemple, sur les techniques de mon langage musical. Donc voilà, j'ai vraiment voulu chercher à partir vers la musique contemporaine, vers quelque chose que je ne connaissais pas. Dans cet opéra, notamment, il y a des personnages qui expriment beaucoup de violence ou d'amour. Il y a beaucoup de, il y a des tempêtes, il y a des choses qui se passent après la mort et tout. J'étais obligé de trouver d'autres expressions, d'autres masses sonores. Et finalement, ça m'a servi à trouver une autre manière de mélodier. Ça m'a servi à libérer la mélodie, à libérer l'harmonie et à faire les choses plus à l'oreille. Parce que même toutes ces choses, toutes ces techniques que j'ai essayées, je trouvais que ça m'enfermait dans d'autres contraintes et ça ne me plaisait pas au final. Je voulais vraiment trouver une certaine liberté. Là, les espaces sont construits avec des 24 cubes en plexiglas. Et selon les endroits où on se trouve dans l'action, donc on a 6 séquences où on change 6 fois de décor, en fait, avec les mêmes cubes. Par exemple, ici, là, on est dans le studio de Radio Freedom. Et donc c'est assez construit, c'est structuré. C'est-à-dire, mais si dans un autre moment, on a besoin d'être ou dans une ravine ou un peu en montagne, là, à ce moment-là, on va plus construire un tas de cubes. Hein, qui va évoquer symboliquement des rochers, et derrière on va avoir une image vidéo qui va correspondre. Hein, ça vous embête pas si on fait le maquillage en même temps? Allez. Donc, je m'appelle Pierre-Yves, je suis Camille, le docteur Camille. J'essaye de dessiner un personnage qui est amoureux de sa radio, peut-être amoureux aussi un peu de l'animatrice, en tout cas c'est ce qu'il exprime, qui s'aime aussi lui un petit peu. Essayer de faire quelque chose qui soit crédible. Ce qui m'a séduit, c'est la mixité de tous les apports, de tous les
toutes les personnes qui travaillent là-dessus. Voilà, je citerai déjà mes amis solistes qui viennent de l'univers de l'opéra, les choristes qui font un travail vraiment merveilleux, et la qualité de leur voix et de leur sens rythmique va de pair avec leur qualité d'accueil. Magali Léger, donc vous incarnez quel personnage dans cet opéra ? Le personnage de Maë. C'est une femme très libre, très sensuelle, beaucoup de caractère, une amoureuse. Et je ne connaissais pas du tout cette histoire, l'histoire qui est racontée dans cet opéra, une histoire très très contemporaine. Et c'est ça qui m'a intéressée dans ce projet, c'était raconter une histoire de maintenant. Et je fais le rôle de Ménéla. Il a tué quelqu'un il y a très longtemps et il se retrouve à la sortie de prison. Il sort de prison et il retrouve ses anciens amours en revenant sur l'île en fait. Et si on incarne l'histoire telle qu'elle est présentée dans l'opéra, c'est relativement simple à faire. C'est d'abord être avec celle que l'on aime, puis être dans dans l'envie de violence qui est un petit peu le fond de ce personnage à certains moments. Les opéras écrits par des ultramarins sont très rares. Bonjour, je m'appelle Jean-François Novelli, je joue le rôle du flic, suite ténor. Donc c'est le gars de la métropole qui arrive à La Réunion, qui se sent un peu au-dessus du lot, parce qu'il est blanc. Finalement, c'est le loser de service, puisqu'en fait, il tombe amoureux de l'héroïne sans avoir de l'amour en retour, mais il se prend une balle dans le pied qui le met en très mauvaise posture, et notamment même physiquement, c'est-à-dire qu'il boite sans arrêt. En même temps, dans cette histoire de suprématie un peu virtuelle, on en arrive à avoir un personnage qui est complètement l'inverse de ce qu'il voudrait bien être. J'incarne le rôle du peuple avec tout le cœur, et nous assistons à certaines scènes, et nous jouons le rôle de la population, du peuple. Les autres.